Salut sur ma nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, n'oublie pas le petit j'aime et de t'abonner, ça ne coûte rien. Allez, salut et bonne vidéo, tchuss. Pour une nouvelle vidéo, c'est MindTech qui est à l'appareil et on est de retour sur Sim Airport, toujours le même jeu, un jeu de gestion et nous sommes dans le deuxième épisode. Et dans le deuxième épisode, je vous avais dit qu'on allait parler de tout ce qui était schedule and utilities. Donc utilities, c'est tout ce qui est bagage de claim. Donc on va installer ça, on va faire le bagage reclaim et puis on va faire les tout ce qui est horaire, tout ce qui est avion, donc compagnie, prendre les avions, les bien les mettre dans l'horaire et tout ça. On va s'occuper de ça maintenant. On s'était occupé la dernière fois de tout ce qui était décoration de la zone ticketing, de la zone sécurité et la zone gate. Maintenant on va s'occuper du principal. On s'était pas encore occupé des zones mais ça on le fera. Prochainement, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous voyez des caisses comme ça, vous pouvez appuyer dessus et les vendre. Ça ne vous sert plus à rien. Vous pouvez les garder, mais comme ça, vous faites un peu de fric. Donc, on va faire tout ce qui est bagage reclaim. Donc, bagage reclaim, tout se retrouve dans utilities. Ici, on n'en a qu'un. On n'a qu'une piste. Donc, hop, on va acheter un hangar, acheter un bagage reclaim. On va poser ça. On peut poser ça ici. Faut juste que je regarde. C'est des H, donc ils vont entrer dans H et ils vont aller dans R. Donc il faut que le R soit le plus près possible. Voilà, on va faire ça comme ça. On va poser ça ici. Non. Hop. Si on sait le poser, c'est le rose comme ça. Voilà, très bien. Donc, très simple, comme vous voyez dans les aéroports, vous avez des ticketing, des ticketing desks. Vous allez les relier avec un converteur qui est tout simplement un tapis roulant. Donc hop, on va le relier jusqu'ici. Et on va mettre un bagage up. Donc c'est pour en fait le transport, pour avoir plus de... Par exemple, vous avez une file ici, là. Et vous avez à côté encore d'autres ticketing desks. Vous mettez ça, vous les reliez par un autre, comme ça il va directement. Parce que vous pouvez pas relier deux et puis faire une... Vous pouvez pas prendre ça, faire une ligne comme ça et puis hop faire ça. Ça c'est pas possible. Si vous faites une ligne comme ça, vous pouvez pas entre guillemets croiser les... Vous pouvez pas croiser les tapis roulants tout simplement. Donc vous êtes obligé de prendre des hubs. Donc on va mettre un hub ici. On va relier ça. Hop. Et vous allez relier le hub là à celui-là. Et puis vous devez simplement mettre un bagage bagage carousel. Vous allez foutre ici. Vous allez mettre un hub aussi. Vous allez mettre par exemple on peut en mettre coûte plus cher celui-là, 10 000. On va rester sur un classique pour l'instant parce que ça coûte un peu cher. Hop bim, et là vous reliez tout simplement ce que là. Hop, et celui-là vous le reliez jusqu'à là. Voilà, ça c'est terminé. Donc tout simplement, vous faites des tapis roulants jusqu'à un hub, un bagage hub, donc un bagage où vous pouvez recevoir plusieurs lignes de bagage. Et cette ligne de bagage, vous la reliez au, à tout simplement bagage d'up, dépôt. Donc c'est où, vous avez compris, dépôt en anglais veut dire dépôt en fait. Elle a le même mot en français, nous on utilise le mot dépôt, mais c'est un mot anglais de base. Dépôt ou alors drop, hein. Où on drop les bagages et aussi on pique les bagages pour les remettre dans le hub qui va les envoyer sur le tapis roulant. Ici vous pouvez mettre une seule ligne et puis avoir deux, parce que si vous avez deux tapis roulants, bah, soit vous les reliez tous comme ça, donc hop hop hop, mais c'est pour ça il en faut des plus grands et comme ça. Et ça en fait c'est pour avoir beaucoup plus de hub en fait, ça. Comme ça vous avez toutes des entrées, vous avez plus d'entrées que de air en fait. Bah bon, ça coûte plus cher, je pense. Non, ça coûte exactement le même prix.
Et en fait, vous avez 8 ports en fait, que 4 en fait. Vous avez 6 ports entrée d'un tapis roulant et un pour sortir pour aller dans un, par exemple, dans un baggage dépôt. Voilà, j'espère que c'était bien expliqué. Maintenant, comme on a tout, maintenant on va construire. On va vouloir passer un peu plus vite pour qu'ils construisent un peu plus vite. Ils sont 5, donc ça devrait aller. Là, ça va déposer, ils vont commencer, hop, construire. Pendant qu'ils construisent. Ils vont construire ça en premier, je pense. Puis ils vont construire les hubs et puis ils vont construire les lignes. De toute façon, ici, quand vous allez voir qu'on va choisir des compagnies d'avions, on va les choisir maintenant. Parce qu'alors, si on passe la journée, il faut attendre une journée en plus. Donc on va choisir une compagnie. Donc on a plusieurs compagnies. Pour l'instant ici, de base, on en a 2, 4, 6, 7. 7 compagnies. Et on a une seule porte. Donc, le Master Flight Scandal se situe, est plus ou moins comme ça. Donc, je sais pas si j'ai menu, j'ai mis en... J'ai pas mis les heures en... Mais... Ok. J'ai pas mis... Video setting. Voilà, en tout cas c'est en anglais. Donc les flights, ça il faut le truc, c'est pour mettre des stops entre les vols en fait. Mettre un standing by, voilà. C'est une pause. Donc cette gate là, elle a rien pour un certain temps. Donc la gate 1, vous voyez qu'on peut en mettre donc de minuit jusqu'à 11h. Vous pouvez mettre des vols. Vous avez des vols le matin, le soir et l'après-midi. Le soir, il faut des pistes. Il faut des pistes spéciales. Parce que en fait, il faut l'upgrade et mettre des lights. Pour que tout simplement les avions, quand ils atterrissent, voient la piste. Puis il y a d'autres choses dans l'upgrade. Il y a tout ce qui est le système papy. Le système papy, c'est des petites lumières rouges ou blanches. Et en fait, ça permet au pilote, lorsqu'il arrive près de la piste de décollage, quand il regarde les lumières et que la lumière blanche est bien au milieu, c'est-à-dire qu'il va bien atterrir sur la piste. Si c'est trop haut, il va atterrir beaucoup trop tard sur la piste. Et si c'est... en bas, c'est-à-dire qu'il va atterrir trop tôt sur la piste, donc il va être hors piste. Et quand c'est plein de milieu, c'est il atterrit nickel. Et l'ILS, c'est le système pour les gros avions, pour avoir une précision lors de l'approche. Alors c'est utilisé souvent quand il y a des pluies ou des trucs comme ça. C'est pour vraiment bien sécuriser l'avion lors d'un décollage, d'une approche finale. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, on va... Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est compagnie. Donc les compagnies, vous voyez, des pourcentages. Les pourcentages, ils se trouvent ici, en fait. Donc si vos avions, ils sont nickel, ils atterrissent à la bonne heure, ils décollent au bon moment, le pourcentage va augmenter. Et le pourcentage, il va être aussi influencé par le pourcentage de bonheur de votre clientèle. Si la clientèle n'est pas bonne, les compagnies vont pas être contentes, même si leur vol est à la bonne heure, ils décollent à bonne heure et que il n'y a aucun souci. Mais quand même, faut faire très attention à ça parce que vous pouvez avoir des annulations de vol et ça vous coûte de l'argent. Mais il faut faire très attention. Donc par exemple ici j'ai deux Embraer. Embraer, c'est des avions à biréacteur. Je m'y connais un tout petit peu parce que j'adore l'aviation, tout simplement. J'ai voulu faire ce métier là mais j'ai pas su, parce que niveau financier c'était pas possible, c'est beaucoup trop cher. Embraer, c'est des petits avions de biréacteur, donc c'est cela, biréacteur. Donc vous voyez là, 75 passagers, c'est assez, donc on va accepter. Il y en a deux le matin. Ici nous avons quoi? Là nous avons rien. Ici nous avons rien du tout, c'est des gros avions. Et il faut améliorer la piste et la gate.
Ici, nous avons un Bombardier Dash, c'est cela. C'est ceux avec des hélices et les roues sur les hélices. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion à des petits avions à hélices, c'est cela. Je vais pas l'accepter parce que j'en ai déjà deux le matin. Il faudrait des après-midi. Des Bashcraft, c'est cela en fait. C'est très mauvais, c'est 19 personnes, ça ne sert strictement à rien. Et ici, là, j'ai Afternoon. Ah, j'ai un Boeing 737, c'est bi-réacteur aussi. 737, c'est quelle compagnie utilise ça? KLM utilise ça, je pense. Et là, on a encore un Afternoon, donc c'est très bien. On va essayer de caser tout ça. Donc là, on va dans Schkendio. Et là, nous avons nos avions. Donc nous avons les Embraer et nous avons un Boeing 737. Voilà. Donc ça, c'est le matin, si je me souviens bien. Hop, on va mettre là, on va mettre 2 heures, c'est assez. Ouais, il y a 90 personnes à embarquer, donc c'est tranquille. On va mettre 45 minutes, 30 minutes entre eux. On va mettre celui-là en premier. Ça, c'est le Boeing 737, je vais le mettre en dernier. Comme ça, je vais lui laisser plus de temps. Et lui, je vais le mettre en dernier. Avec lui, avec 1 heure d'espace, et j'ai l'avancé un tout petit peu. J'ai eu de laisser 2h30. C'est assez. Là, on ferme, et en fait, il faut juste attendre que la journée passe. Il faut que... donc là, tranquille, vous avez votre hangar. Hangar, il faut assigner un véhicule. Ici, on va assigner un véhicule. On va assigner un bagage car. Le fuel truck, il sert pas à grand-chose pour l'instant. Mais après, pour aller plus vite, en fait. C'est plus utile. Bagage car... Voilà, comme ça, le bagage car, il peut aller ici. Mais ça, il faut l'assigner aussi. Il faut l'assigner à une gate. Parce qu'il n'est pas assigné à une gate, il va pas aller à la gate tout seul. Tout simplement. Donc ici, ils sont en train de construire. Ils ont déjà bien tout construit. Donc les deux hubs sont faits. Le bagage de dépôt est fait. Et le hangar est fait. Donc voilà. Tout simplement, ici, c'est bon. C'est tranquille. On a terminé. Donc tout est fait. On va attendre qu'un prochain avion est là. Et dans un prochain épisode, ce que je ferai, c'est tout ce qui est... là, je vais laisser le jeu tourner un peu plus. Et lorsque je ferai, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, là, on fera, par exemple, une nouvelle gate. On va agrandir l'aéroport, on fera un système et tout. Je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Là, on est qu'au jour 2. Hein, mais c'est que les journées, c'est plus ou moins 5 minutes, 10 minutes. Je sais plus exactement. Donc ici, on est bientôt à 6h. Ce qu'on peut faire, c'est, comme on a un peu d'argent, c'est mettre l'office. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les zones. Voilà. Voilà. Ça, l'office, on fera une autre fois. Donc, on supprime toutes les zones. Et moi, ce que j'adore, c'est faire les zones de deliveries. C'est devant. Par exemple, ici. Et faire une storage, grande storage ici. Garbage à la fin, toujours. Garbage, j'ai dit. À la fin. Dropbox, vous pouvez faire au début. Par exemple, ici. Vous en faites une de 18. Et la même chose pour le pick-up. 18. 16, voilà. Merde. Voilà. Donc voilà, les zones sont faites. Elles sont très bien faites. On va tranquille. Bagage reclaim, c'est fait. Ticketing zone, c'est fait. Donc, pas de problème. Là, on va aller voir. Donc ça, tout est fait. Donc là, on voit qu'on a encore 21 000. On peut pas encore voir si on gagne ou pas. Ce qu'on peut voir, c'est juste les secteurs. Vous voyez bien les secteurs. On voit les titres, donc c'est tous les blocs qu'il y a dessus, en fait, comme dans Minecraft, entre guillemets. Les infos. Là, on a des infos ici, ici et ici. C'est déjà assez. Tout ce qui est environnement, on n'a pas énormément ici. Je vais peut-être en ajouter un peu. Sécurité zone, tout est sécurisé. Et ici aussi, c'est sécurisé. Donc, c'est nickel. Statut. Ici, on voit les vols qui vont arriver. Donc, celui-là est en route. Et il arrive à 4h. Donc, les gens vont bientôt arriver. Je vais mettre juste un peu plus de déco. Je vais, par exemple, mettre objet déco. Par exemple... Ah ben, il y a déjà des gens qui arrivent.
par exemple, je vais mettre trois trucs comme ça. Et non, ça c'est deux blocs aussi. Par exemple, un pot de fleurs ici, un pot de fleurs ici. Et ah, l'avion est arrivé. Hop là. Là, vous voyez, vous gagnez de l'argent. Donc là, je viens de gagner. J'ai pas vu. Je viens de gagner un peu. Donc les gens sortent. Donc voilà, on voit qu'ils rentrent. Hop, il y a 53 passagers qui rentrent. Bim, la file, hop là, il est parti. Il devait partir à 6h, donc il est parti plus ou moins 1h. Donc les gens, ils sortent ici, ils arrivent ici, ils passent par la sécurité zone, ils vont chercher le package. Et ce qu'on fera dans un prochain épisode, ce qu'on veut, moi je veux surtout faire ça, c'est que les gens viennent ici, sortent par là et arrivent ici. Comme ça, ils passent pas par la sécurité zone et ils viennent pas engorger le système. Donc là, il y a le deuxième avion qui est Embraer. Là, on voit les gens qu'on appuie dans Height Light Passenger. Donc c'est montré le nombre de passagers par des petites lumières. Là, on voit ces petites lumières vertes. Et ici, ils disent qu'il y en a 47 qui doivent embarquer. Hop là, voilà, il est parti. C'est à 8h30 qu'il doit partir. Il a plus ou moins 45 minutes de... Il a 45 minutes. Il démarre 45 minutes plus tôt. Donc c'est super. Donc, tranquille. Là, vous voyez, c'est 57% de satisfait. Donc c'est plutôt bien. Et quand on va dans Reports et qu'on va voir environnement, il y a un peu plus d'environnement là, donc ça va, c'est tranquille. Est-ce qu'il y a des poubelles? Ah ah, ça j'ai oublié les poubelles. Ouais, c'est qu'une seule poubelle en fait. J'en construis une vite fait. Confort, garbage, c'est pour ça que je vais mettre hop, bim, bim, bim. Voilà, là, il y en a 4 pour tout ce qui est là, et ici il y en a assez aussi. Hein. J'en ai mis 1, 2. 3-4. Ça c'est. Donc il y a bien deux sortes de toilettes, parce qu'en fond dans la dernière snapshot entre guillemets, dernière bêta, les toilettes étaient mixtes. Donc c'est un peu bizarre. Donc là c'est l'Embraer 95 de Bidi qui départ à 2h et il y a 24 passagers, donc c'est pas beaucoup. Hop là, terminé. Voilà, il devait partir à 2h, il a 1 heure de décalage, donc c'est très bien. Hop, les deux sont en route, ils arrivent à 2h30, donc nickel. Il y a le 737, tu vois. Donc, ça c'est le pissing en fait. Hein. Le pissing, c'est ce qu'utilise l'avion lorsqu'il passe le runway et ce qu'utilise un passager quand il arrive au terminal. Donc par exemple, ici, un avion utilise 500€ et il coûte 10 par passager. Donc là, il y avait 100 passagers dans l'avion. Par exemple, et utilise 400, donc je gagne 1500 par avion pour cet avion là en tout cas. Donc là c'est très chiant parce que parfois on ne voit pas. Donc là parti, je suppose que c'était un avion qui était pour 14h30, donc 45 minutes aussi. Et là c'est le dernier avion qui doit arriver. Là c'est le gros avion qui arrive à 5h30 et je l'ai jusqu'à 8h, donc tranquille, il a le temps. C'est début soirée quoi. Là, vous voyez. Est-ce que ça avance? Ouais, ça va. Ça avance assez vite. Et là, c'est un Boeing 776. On voit, il est un peu plus gros, il est un peu plus massif. Et vous allez voir, les gens, hop là, ils partent tous. Et vous voyez, ils passent par la sécurité zone. Et ça peut un peu boucher parfois la chose. Et c'est parfois assez chiant. Donc ici, il a combien de passagers? Il en a 96. Donc tranquille, et je pense qu'il va partir assez tôt. Voilà, là tout le monde, et il devait partir à 8h, il y a 1 heure de décalage. Donc, on va voir les stats. Les stats, c'est qu'ici, il devait arriver à 4h, il est arrivé 15 minutes plus tôt, et il est parti presque 1 heure à l'avance. Ici, il est parti 1 heure à l'avance, il est arrivé 15 minutes plus tôt. Là, il est arrivé 15 minutes plus tôt, il est parti 1 heure à l'avance. Ici. Il est arrivé 15 minutes plus tôt, plus ou moins, et il est parti 1 heure à l'avance. Ici, il est arrivé 15 minutes plus tôt, il est parti 1h10 à l'avance. Donc,
vraiment, vraiment tranquille. On a 65% de comptant. Donc, réellement. Et ici, on va voir quand ça va passer minuit. Puis, on se laissera pour un prochain épisode. C'est que, on va voir, vous allez voir si tout est ici, tout était bon. Donc, l'airline interest va augmenter, mais bien, je pense. Ça va peut-être aller vers les 55%, voire un peu plus. On va voir. Il faut que ça passe juste minuit. Et ici aussi, j'ai oublié, c'est qu'on peut voir les quand il va pleuvoir. Là, par exemple, ici, il ne devrait pas pleuvoir pendant un certain temps. Ici, hop là, attention à minuit. Bim, 62%. Ouf, on a beaucoup. Donc là, hop là, on a plein de nouvelles qui sont sorties. Donc ça, on fera ça dans un prochain épisode. Moi, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, la gestion. J'essaie d'expliquer le plus clairement possible. Je vous expliquerai dans un prochain épisode pourquoi j'adore les avions. Donc en vous expliquant tout principe et tout avec le système Papy, l'ILS. Et d'autres petits systèmes bien sympas. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, tchuss et bon décollage.